Alors, je suis devenue chrétienne en 2011. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Mais cet acte n'a pas été... c'était pas quelque chose d'instantané, genre j'arrive à l'église, oh pouf, c'est intéressant, etc. Non, en fait, je ne suis pas née du tout dans une famille chrétienne où on prêche le plein évangile. C'était vraiment de culture chrétienne. Donc on allait à l'église pour Pâques, pour Noël, et éventuellement pour des messes comme les rameaux, etc. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions et à chercher Dieu à l'âge de 10 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'il y avait forcément un Dieu quelque part et que j'avais besoin en fait qu'il me donne des réponses sur ce qu'il était lui. Ce qu'on m'avait dit de lui ne me suffisait pas et j'ai vraiment entrepris une recherche active. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller à l'église dans la paroisse de notre ville. Et j'allais toute seule et parfois avec ma petite sœur les dimanches à l'église pensant que Dieu allait me répondre. Et en fait, ça a pris 8 ans avant d'avoir la réponse que j'attendais. La réponse que j'attendais pour me dire que enfin il existe, etc. Voilà. Et donc pendant 8 ans, j'ai été à l'église, j'ai fait le catéchisme. Je me suis même baptisée, enfin voilà, j'ai fait des choses comme une bonne chrétienne. Et Dieu en fait n'a pas vraiment, ou du moins j'ai pas ressenti qu'à un moment particulier, Dieu m'avait donné la réponse dont j'avais besoin pour pouvoir tout simplement marcher avec lui. Donc voilà, ça a duré 8 ans. Et pendant 8 ans, ça m'a pas forcément empêchée de vivre comme tout le monde. J'étais une adolescente comme les autres, qui s'amusait comme les autres. Et je m'en sortais plutôt bien à l'école parce que mes parents m'avaient quand même donné une éducation. Mais c'est vrai qu'arrivée au lycée, j'ai commencé un peu à faire des choses qui ne me ressemblaient pas. Et moi, le truc que j'aimais trop, franchement, c'était le pilon, quoi. Ça, c'était mon truc. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pilon, c'est la drogue, quoi. Donc ça, c'était vraiment mon truc. Dès que j'avais mon joint, j'étais dans mes rêves les plus fous, etc. Et je me déconnectais totalement de la réalité. Et ça a vraiment servi de substitut aux réponses que je me posais. Quand je fumais, vous savez, quand on fume, on n'est plus maître de soi et on entre totalement dans le monde de l'imaginaire, etc. Et pendant les courts instants que ça durait, j'avais l'impression que c'était des choses spirituelles, divines, auxquelles j'aspirais. Mais pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Et en fait, en 2011, j'ai reçu mon baptême à l'église catholique. J'avais donc... J'avais 17 ans. Et je me rappelle, une semaine avant mon baptême, j'étais à l'anniversaire d'un de mes amis que j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime toujours beaucoup. Mais voilà, que j'aime beaucoup. Et je me rappelle que j'avais un joint dans la main. Et je fumais allègrement. Allègrement. Et à un moment donné, il y a une pensée qui m'a traversé la tête qui me dit, mais tu fais quoi? Tu vas te baptiser la semaine prochaine. Et tu sais que c'est un acte qui pour toi est important parce que tu attends une réponse de Dieu. Donc pourquoi est-ce que tu le fais? Et donc j'avais ce joint dans la main et je me suis dit, c'est la dernière fois que je te fume. Parce qu'une fois que je serai baptisée, je ne te fumerai plus jamais. Plus jamais, je n'aurai plus jamais rien à voir à faire avec toi. Donc je l'ai bien fumé, je vous assure que là franchement je me suis bien éclatée. Et donc la semaine d'après, je me suis baptisée. Et j'étais vraiment stressée en fait. J'étais dans tous mes états. Je suis pas mariée, mais pour moi, c'est comme si j'allais me marier en fait. Je me suis dit, ok, là, je vais me baptiser. Donc, je serai plus la même. Je pourrais plus faire autant de bêtises. Je pourrais plus manquer de respect à mes parents. Enfin, voilà quoi. Et le soir où je me suis baptisée, on a fait une grande fête avec ma famille. Et donc tout le monde était très heureux et moi j'avais qu'une envie, c'était de retourner à l'église le lendemain pour pouvoir communier et manger le pain de la communion, là, l'espèce de chips là. Et donc le lendemain matin, très tôt, je me lève, je me prépare pour aller à l'église alors que toute ma famille dort en fait. Et je vais communier, je vais manger ce pain et boire la coupe. Il se passe rien, il se passe rien du tout. Et là je comprends pas, je me dis, mais attends,
communion, c'est quand même un des trucs vachement importants. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai pas la réponse que je cherchais pendant 8 ans? Donc je rentre chez moi avec cette frustration. Et dans la semaine qui a suivi, il y a mon frère avait accepté le Seigneur bien avant, en fait, qui priait dans sa chambre. Il est en train de prier en langue. Et il priait avec tellement d'intensité, c'est comme si le ciel était descendu dans sa pièce, je vous assure, c'était hallucinant. Et ce qu'il faisait, en fait, ça m'a, entre guillemets, énervée. Je me suis dit, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc je vais dans ma chambre et je crie à Dieu, mais si tu ne me démontres pas que tu existes, franchement, entre toi et moi, c'est fini. Vraiment, je ne ferai plus autant d'efforts. Ce sera fini pour de bon. Il faut absolument que tu montres que tu existes, que tu fasses quelque chose, ce que tu veux. Mais demain, quand j'irai à l'église, quelque chose va se passer. Et donc, le lendemain, je vais à l'église et le pasteur arrive et dit, bon, on va commencer à prier. Et à ce moment-là, en fait, j'élève les mains au ciel comme ça. Et quand j'élève les mains au ciel, je sens comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée. Ça descend comme ça sur moi. Et là, je hurle parce que ça me dépasse totalement. Mais pour moi, en fait, c'était la réponse que j'attendais. Alors, il n'y avait pas eu de mots, pas de phrases, pas d'homme de Dieu qui a dit quoi que ce soit, pas de frère et sœur qui m'a dit quoi ou qu'est-ce. Mais c'était juste ça. Et ça, ça a suffi, en fait. C'était la réponse que j'attendais depuis plus de 8 ans pour que Dieu me montre, en fait, qu'il existe et que sa présence peut se manifester à moi. Voilà.